toutes les thérapeutiques. Pourquoi? Parce que figurez-vous que cette course-là, c'est un groupe 3. Le 15 mars. Et le cheval débute en Australie. Il débute en Australie directement dans un groupe 3 et gagnant avec la tête à orange. C'est un cheval élevé par Benoît Gaillard, c'est l'ombre qui est aujourd'hui le meilleur, si on a des meilleurs, Steeple Chaser en Angleterre. Et le Brésil, pour ses débuts en obstacle, directement dans un groupe, eh bien, il est deuxième. Directement dans un groupe. C'est absolument fascinant. La course d'après, il a réalisé le même genre d'exploit en étant deuxième dans Randonautis. C'est phénoménal dans Randonautis. Et le Brésil arrivait presque vite à courir un obstacle. Alors, il y a 3 ans, c'était un très bon cheval de course. Il a couru le Jockey Club pour entraîner dans la 6e. Il a même couru l'Arc de Triomphe en allant dans. C'est-à-dire que son propriétaire, son tour de lier, avec quelques ambitions éliminatoires, et avec sujet de la part de Pierre Coste, que le cheval court très souvent, et qui débute directement dans un groupe. Ça paraissait pure folie, mais le cheval répondait toujours. Le Brésil, donc le cheval était toujours, oui, est un fils en plus de ça, de Smadoun, voilà, c'est ça, le père de Chichi Castellongo, en même temps, et avec une mère par Exit tout nowhere, un cheval qui a apporté beaucoup de robustesse et de solidité. Et d'habitude, au terrain lourd, mais qui est plus loin. Origine.